Sexe est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Sexois. Elle fait partie du parc régional des Baronnies Provençales. Le Sexe est à 35 km au sud-ouest de Gap, sa préfecture, et à 13 km au nord-est de Serres. Il est à 10 km au sud de Vennes, son chef-lieu de canton. La commune est située dans la pointe nord-est du parc régional des Baronnies, zone forestière montagneuse. Elle est surplombée côté sud par une partie du Beauchêne ou pays de Buèche, la montagne d'Aujour, le Jure, avec un sommet à 1834 mètres d'altitude, mitoyen entre le Sexe et Esparron au sud-est, proche de la commune de Savournon au sud-ouest. Ce massif, qui domine les vallées de la Durance et du Buèche, est au carrefour des axes Cisteron-Grenoble-Valence-Gap dans le sud du département des Hautes-Alpes, relevant du pays du Buèche. La montagne d'Aujourd'hui est le dernier sommet bien individualisé du Beauchêne méridional. Plus au sud, la corniche titonique ne forme plus guère que des crêtes tout juste indentées, sans point culminant bien détaché. Les dalles du titonien bien visibles depuis la vallée plongent vers la vallée de la Marèze. Le deuxième plus haut sommet sur la commune est la montagne de la Plane, à 2 ,3 km 3 au sud-est du Sexe à vol et qui culmine à 1576 mètres. Le village est installé au sud-ouest. Et au pied d'une hauteur nommée la Citadelle qui culmine à 880 mètres d'altitude. La citadelle s'étend sur 500 mètres de long vers le nord-ouest. La commune est traversée par la Maraise, affluent du Buèche, dans une direction générale sud-nord, jusqu'au Sexe pour se diriger ensuite vers l'est et vers Chabestan. La Maraise sort à environ 1290 mètres d'altitude du lac de Pessier, qui se trouve sur la commune voisine Esparon. Mais jouxte la limite sud-est de la commune du Sexe, le lac est alimenté par le torrent de Marez. Sur les quelques 6 km de son parcours entre le lac du Pessier, 1290 m d'altitude, jusqu'au Sexe à 800 m d'altitude moyenne, la Marez descend environ 500 m en altitude, avec des allures de torrent. Se tournant vers l'ouest au Sexe, sa vallée nettement plus spacieuse fait s'étaler son lit mineur en large zone caillouteuse, dépôt d'alluvions, propice au rouissage. La Maraise reçoit de nombreux petits affluents, torrents montagneux provenant pour la plupart des flancs de sa propre vallée. Le torrent de Barnèche conflue avec la marèze juste en aval du hameau le Sarret. Il marque la limite de commune avec Chabestan sur environ 2 km, puis plus en amont avec Oze, sur environ 700 mètres. Environ 1800 mètres en amont de la confluence, se trouve la crête de Bardèche, culminant à 977 mètres d'altitude, à l'est du torrent éponyme. Et le massif de Bardèche, culminant à 946 mètres d'altitude sur la commune de Chabestan, à l'ouest du même torrent. Le torrent de Barnèche marque aussi le passage qui conduisait autrefois à Oz, par le Sarret. Le torrent de Villoré, qui en aval de Villoret, village sur la commune de Saint-Aubandoz à l'est, devient le torrent de Suzanne, conflue immédiatement en amont du Sexe. Il naît des eaux de ruissellement sur le roc de la Loz, 1567 mètres d'altitude, au sud de Saint-Aubandoz. Toponymie. Le sexe, on prononce le X, est la forme francisée du toponyme occitan LOC. Le nom de la localité, est attesté sous sa forme latinisée Saistium en 982, dans un parchemin retrouvé à la Bibliothèque Apostolique Vaticane. Le parchemin stipule l'autorisation de créer un petit ermitage consacré à Sanctus Macarius, dit Saint Macaire l'Égyptien en ces lieux, cet ermitage étant spécifié sur un rocher surplombant les environs. C'est en 1247. Cessium au XIVe siècle, le Squez en 1486, le C en 1512. Ce toponyme dérive du mot latin saxum, signifiant roche, rocher, rocher qui vit sédifier l'ermitage puis l'ancien château de la citadelle, détruit par les troupes protestantes de Montbrun et Lesdiguières, près duquel se développa le village. Histoire. Aux environs de 2500 ans avant Jésus-Christ, des hommes ont habité les bords de la vallée du Rivet. Affluent de rive droite de la Maraise, et qui conflue avec celle-ci, à environ un kilomètre en aval du sexe. Une concentration de fragments d'objets, bouts de lame, de fossiles, pointes de flèches, racloirs, mais aussi nombre d'éclats, atteste la présence de plusieurs lieux de taille et d'utilisation du silex le long de ce ruisseau. On en trouve également, plus épars, à Barnèche, sur le passage qui conduisait autrefois à Ose par le Saray appartenant à la période suivante, une hache en pierre polie a été retrouvée près des rives du Rivet, ainsi que des redchets celtiques, de nombreux objets en bronze dans un tumulus de l'âge de bronze abritant également des bracelets et un collier en perles d'ambre, découverts aux Essagnières. Des tuiles plates et des vestiges de canalisation en terre, des débris de poterie, des sigillés, des pièces de monnaie datant de Gallien, empereur de 253 à 268 de Maximin, empereur de 310 à 313, et de Faustine, retrouvés dans les environs du cimetière actuel, attestent la présence d'habitations durant la période romaine. Le nom le sexe proviendrait du mot latin saxum, signifiant rocher. Le village prend naissance à l'époque franque sur l'emplacement actuel du cimetière, plusieurs sarcophages de pierre contenant des squelettes y ont été découverts. La première église y est construite, sous le vocable de Saint Vincent. Au XIIe siècle, est érigé sur la hauteur nommée la citadelle, une tour carrée. C'est le premier château, donné par le baron régnier de la Valdose à un vassal qui en fera l'une des seigneuries les plus importantes de la Valdose. Cet édifice est étendu au XIVe, les fortifications comprenant alors trois tours rondes supplémentaires. À la même époque, 1185, l'abbaye de Clauzonne, fille de l'abbaye de Boscodon, de l'ordre de Saint-Benoît, et dépendant de la maison de Chalet, près de Grenoble, voit le jour. Closone, qui vient du latin Clausus, fermé, du fait de sa situation cloîtrée entre les montagnes, se trouve au cœur d'un cirque 2 km environ au-dessus du village. Au XVe siècle, la seigneurie passe à la famille de Gruel. Le 16 août 1424, Jean de Gruel, chevalier du sexe, est tué à la bataille de Verneuil. Lors de la guerre de Cent Ans, son fils Pierre de Gruel, est président du Parlement du Dauphiné à Grenoble. La famille de Gruel conservera la seigneurie jusqu'en 1770, date à laquelle elle fut achetée par la famille de Bimard. Le 8 mai 1573, le seigneur de Gruel, dirigeant l'armée catholique, est défait par les troupes protestantes de Montbrun et Lesdiguières, qui détruisent le château sur la citadelle, avant d'infliger le même sort à l'abbaye de Clauzonne. De Gruel fait alors construire, fin 16e, la seigneurie, belle bâtisse trônant au haut du village. Au début du XVIIe siècle, vers 1605, l'église actuelle est érigée, et devient l'église paroissiale en remplacement des églises Saint-Vincent, au cimetière, et Sainte-Catherine, à côté du château, disparues. La veille de Noël 1682, un immense incendie détruit la moitié des quartiers des habitants, et celui du baron du Dilieu. Puis entre le 30 août et le 15 septembre 1692, les troupes du duc de Savoie envahissent et saccagent le village. La plupart des vieilles maisons en pierre du village datent de la reconstruction qui a suivi ses destructions. L'abbaye, à la suite de la visite de l'évêque en 1712, voit son cœur reconstruit pour servir d'église paroissiale à Closonne, tandis que la nef est reconvertie en ferme. Son prestige perdure puisqu'une procession y est organisée chaque année jusqu'à la révolution. Les premières références à la scolarisation des enfants du sexe datent de 1704. C'est au XIXe siècle que la population du village a été la plus importante, approchant les 400 habitants en 1831, sans inclure Clozone. On compte alors de nombreux métiers au village: tisserand, cabartier, maréchal-ferrant, sage-femme, tailleuse, meunier, sieur de long, maçon, cordonnier, voiturier, et bien sûr agriculteur, propriétaires, mais aussi domestiques, ou pires journaliers. Enfin sont relevés quelques mendiants. À la fin du siècle, chaque année des Italiens viennent s'installer quelques semaines comme charbonniers dans les forêts de la commune. Et les jeunes femmes du village accueillent alors de nombreux enfants placés en nourrice 59 entre 1880 et 1892, depuis Marseille, Paris, La Ciotat, hier, Gap, Vennes, ou du sud des Hautes Alpes. Au cours du 19e siècle, les digues sont construites le long des rives du Poutellier et de la Maraise, entre 1837 et 1858. Le torrent de Suzanne sera endigué en 1889. Parallèlement, dix canaux d'arrosage sont creusés dans la première moitié du XIXe siècle, gérés par les syndicats des agriculteurs riverains, permettant l'irrigation de près de 43 hectares. Certains de ces ouvrages perpétueront leur office jusqu'en 1973. Date de la création du réseau d'aspersion à partir de la retenue artificielle de Pessier. Des foires agricoles sont organisées chaque année dans le village, de 1843 à 1908, les 5 mai et 17 septembre. La commune de Clozonne, comptant de moins en moins d'habitants, et peinant à se subvenir à elle-même, est rattachée à la commune du Sex en 1888, par décision du préfet et du conseil général. Les travaux communaux se multiplient dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe, égout des fontaines en 1860, pont sur Poutellier au bas du village en 1862, tracé de la route actuelle, et pont sur le rivet avant le Sarais en 1867, ouverture de la route vers Clausonne dans les gorges du Gouravour de 1870 à 1878, pont sur Poutellier au nord du village et ouverture de la route de la Bachassette en 1876 à 1877, construction de l'école de 1900 à 1902, qui était destinée aux filles mais que la jalousie de l'instituteur a finalement fait attribuer à la classe des garçons, arrivée du téléphone en 1923, création du réseau d'adduction d'eau potable de 1925 à 1929, arrivée de l'électricité en 1936, apparition du premier tracteur en 1948. La Seconde Guerre mondiale ne touche que peu le village jusqu'en 1943, quand les Allemands franchissent la ligne de démarcation pour occuper l'ensemble de la France. Alors s'organisent des maquisards fuyant devant l'occupant, organisant plus ou moins activement la résistance à l'invasion. À Clausonne, mais aussi à Barnanche, s'abritent dans les bois, vivent sous des rochers des hommes venus d'Angers ou d'ailleurs, des gens des environs aussi, qui se cachent de l'occupant, et refusent le service du travail obligatoire. STO. En Allemagne, ces résistants dissimulent des armes et des gens du village les ravitaillent. C'est le commandant Mauduit qui est chargé d'organiser les réseaux de la région. Il demeure la plupart du temps à Montmort, où il côtoie François Mitterrand. Le commandant Mauduit vient fréquemment au sexe. Monsieur Denizo, son secrétaire, prisonnier évadé d'Allemagne, s'installe au village et fabrique et fournit les faux papiers. Le soir du 24 décembre 1943. La petite église du sexe est comble. L'abbé Chalmé dit la messe de minuit. On le sait en liaison avec les résistants. Ce soir-là, les gens du village sont tendus, l'anxiété est palpable, tout au fond de l'église, les maquisards sont là, debout, qui entonnent avec ferveur les cantiques. Mauduit est présent, lui aussi, en tenue de résistant. Des œillades inquiètes se glissent régulièrement vers ces hommes de l'ombre, et chacun prie que pourvu que les Allemands ne débarquent pas par surprise. Et profite de la téméraire exposition des maquisards. Le 29 janvier 1944, certainement à la suite d'une dénonciation, les Allemands font une rafle au sexe. Tous les hommes sont emmenés dans l'école, et le commandant Mauduit, qui a passé la nuit chez l'abbé Chalmé, est pris aux Essagnières, alors qu'il tente de s'échapper à bicyclette. Tandis que les maquisards parviennent à s'enfuir, les habitants de Clauson sont, eux aussi, amenés dans la cour de l'école et interrogés tout le jour. À midi, des enfants du village sont autorisés à apporter quelques nourritures aux détenus de l'école. Émile Bermond, qui se terre dans sa maison au Sahara depuis l'aube, en profite pour s'enfuir vers Barnanche, en traversant la maison des Peloux. Il passe tout l'hiver sur un lit de branchage, sous un chêne, dans une rase. À Clozon, Fernand Peloux, frappé, menacé, puis amadoué, avoue finalement où il a caché son fusil. Le soir la plupart des hommes sont relâchés, mais quelques-uns sont emmenés à Gap. Mauduit, l'abbé Chalmé et Fernand Peloux, sont tous trois déportés dans les camps d'extermination allemands. Fernand Pelou y meurt dans des conditions atroces. Le commandant Mauduit succombe pendant son retour en France à la libération. Quant à l'abbé Chalmé, il revient au sec en mai 1945. Il a été libéré trois jours seulement avant son passage programmé en chambre à gaz. Décharné. Marqué à vie, il garde jusqu'à la fin de ses jours les traces visibles de l'enfer de sa déportation. Le jour de son retour, les sexois l'attendent sur la place du village. À sa descente de voiture, avant même d'aller embrasser sa mère, il se rend par le quartier du canton sur la citadelle pour adresser une prière de remerciement à la Vierge, persuadé qu'un miracle a permis sa libération à temps. Tous les villageois l'accompagnent, au pied de la statue hissée en 1943, sur un traîneau tiré par des mulets. Donné par un réfugié de Lorraine, accueilli au sexe au début de la guerre. Il ne reste plus grand-chose du donjon, 11 ou 12 siècle, ni de l'ensemble quadrangulaire qui se dressait encore au 16e siècle au sommet de la citadelle, colline sur laquelle s'appuie aujourd'hui le village. La base de deux tours rondes, un peine de rempart, l'élévation des vestiges du donjon carré, sont les pauvres restes de cet édifice, qui fut sans doute parmi les plus importants du Val d'Oz, avant d'être détruit lors des guerres de religion. Les pierres du château écroulé ont servi à construire les maisons actuelles du village. En se promenant, on remarque dans les murs des pierres taillées, qui ont été réemployées sans style. La très belle demeure de la Seigneurie, qui fut la résidence nobilière après la destruction du château, montre une très belle façade, avec un linteau en accolade remarquable. La Haute-Vallée de Marez, site de 2000 hectares, a été classée espace naturel sensible par le Conseil Général des Hautes-Alpes en 1987. Du fait de la somptuosité de ses paysages, et pour ses qualités géologiques et floristiques en particulier, l'accès par le chemin départemental 249 T, difficile, permet de conserver à cette zone un caractère préservé. De par sa formation géologique grandiose, le site s'ouvre depuis les gorges du Gouravour sur les falaises du Faï, s'élevant par les cascades du torrent de Marais et ses vases pour rejoindre le plateau et le lac de Pessier. Le climat D'influence fortement méditerranéenne dans un massif alpin de moyenne altitude, 800 800 mètres. Très accidenté. Favorise le développement d'une flore et d'une faune. D'une très grande diversité grâce au nombre des différents biotopes existants. La configuration abrupte et encaissée de l'accès au site a permis sa préservation. L'inventaire du ZNIEF met au jour la présence d'espèces floristiques de qualité. Une étude a révélé l'existence de « la benoite à fruits » G.H.M.E.T.R.O.C.A.R.P.O.M.E. Espèce menacée dont la seule station française est sur ce site, ainsi qu'une grande richesse faunistique. Sa désignation en ZSC au réseau Natura 2000 doit être examinée sous peu. Cet espace offre des attraits divers sur le plan touristique, que l'on rencontre au cours d'une randonnée à la montée du torrent de Marèze, les gorges du Gouravour, à l'entrée de l'espace naturel sensible, peu après la sortie du village du Sexe. Les gorges sont impressionnantes par leur étroitesse et leur hauteur elles offrent un panorama géologique assez unique. Et les couples d'aigles et les chamois, bien visibles depuis le chemin départemental, accompagnent les visiteurs lors de la montée. En haut des gorges, le centre d'accueil international du Failli est au centre d'un cirque fermé. Cette structure participe activement à la vie économique et sociale de la vallée du Buèche, par ses chantiers de jeunes internationaux, ses activités culturelles, ses soirées à thème, la rencontre internationale, ses actions d'insertion, vont y être développés un espace éco-découverte. Permettant d'appréhender ce qu'a pu être la vie autarcique, d'une petite exploitation de montagnes au siècle passé, et des sentiers d'interprétation pédagogique de la géologie et de la flore du lieu. Ce centre marie ainsi culture et nature dans une approche globale. Il a en outre créé un site musical expérimental unique au monde. D'énormes trompes, enceintes acoustiques directionnelles, ont été construites par des jeunes venus du monde entier, et diffusent de la musique, créée en direct, ou en lecture CD. Sur les falaises paraboliques qui répercutent par un effet de cathédrale les mélodies. Passé le domaine du Failli, le randonneur débouche dans le cirque de Clausonne, ancienne commune maintenant abandonnée, et abritant les vestiges de l'abbaye de chalésienne Chalaisienne, XIIe siècle. Aujourd'hui ces ruines sont en cours de restauration. Terminant son ascension, le CD-249T s'ouvre par un tunnel de hêtres sur le lac de Pessier, important et sauvage à la fois. Tout autour, les pâturages dominent la vallée de la Durance et offrent un point de vue vers Sisteron. Enfin, les sentiers qui montent au sommet du mont au jour, 1834 mètres, traversent des sites avec des bosquets de sapins au milieu d'éboulis et de barres rocheuses. Le point de vue depuis la cime permet d'appréhender la géographie du Mont Blanc jusqu'au Ventoux et la Provence, dans un environnement floristique à la fois alpin et méditerranéen.